Hello, c'est Anto, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 façons de gagner de l'argent en pilote automatique. Donc, comme vous voyez à l'écran, il y a une capture, c'est une capture d'écran de gains que j'ai pu faire sur les 7 derniers jours dans l'un de mes business. Donc, eh bien, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Les 5 façons de gagner de l'argent en pilote automatique que je vais vous présenter sont, en fait, selon moi, des manières de générer de l'argent de cette façon. Plutôt rapidement, parce qu'évidemment ce n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas ce que je vous présente là, c'est ce qui selon moi peut vraiment vous permettre dans un laps de temps assez court. Alors, évidemment, je ne vous dis pas que là tout de suite dans les 7 prochains jours vous allez gagner pareil 574 euros. Non, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des types de business en ligne, si vous voulez, qui peuvent vous rapporter plutôt rapidement. Bon, bah écoutez, en tout cas, si actuellement vous recherchez des méthodes pour gagner de l'argent sur internet sans forcément échanger votre temps contre de l'argent, eh bien c'est parfait, parce que je vais vous montrer tout de suite comment faire comme moi. Alors, la première façon, eh bien, ça va être de monétiser ses réseaux sociaux. Alors ici, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes ne pensent pas faire ça, pourtant ça peut être très intéressant comme source de revenus qui va faire rentrer de l'argent en automatique. Par contre, évidemment, ça peut mettre un certain temps selon la façon dont vous y prenez, parce qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs façons de s'y prendre pour générer des gains. Après, selon les méthodes que vous allez utiliser, ça va être plus ou moins rapide. Après, pour ne pas aller trop loin non plus, puisqu'ici, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer 5 façons, c'est pas de tout détailler en entier. Là, c'est de vous initier sur des façons qu'il y a de gagner de l'argent en automatique, et après à vous d'approfondir le sujet et de choisir une façon, en fait, de monétiser dans chaque façon, d'accord? Donc ici, en tout cas, dans la première façon, eh bien, par exemple, si vous utilisez YouTube comme moi, eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, je dirais, faire des vidéos, et ensuite vous allez pouvoir monétiser celle-ci en activant les publicités, si vous voulez, sur vos vidéos. Alors évidemment, il y a des critères pour ça, je vous laisserai regarder ça, mais ça, c'est une des façons de faire. Après, il y a d'autres façons de monétiser. Si vous avez des produits à vendre, des choses comme ça, eh bien, vous pouvez mettre des liens, vous pouvez rediriger vers des produits, etc., etc. Autre possibilité, pourquoi j'ai mis Instagram? Parce que Instagram, en fait, est un des moyens aussi d'être monétisé par le biais, par exemple, je dirais, si vous essayez de faire un petit peu comme les influenceurs, essayez d'avoir des posts rémunérés, puisque souvent les influenceurs fonctionnent de cette façon. Après, évidemment, il y a encore plusieurs manières de faire sur Instagram, plein de façons différentes. Là, ça sera à vous aussi, eh bien, de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a. D'ailleurs, je vous mettrai ici tout de suite maintenant à l'écran en haut à droite une des manières très intéressantes de monétiser Instagram. Et vous allez voir, bon, c'est vraiment faisable par tout le monde. Il n'y a pas forcément besoin de se montrer, et ça peut être en tout cas une idée parmi cette façon-là de gagner de l'argent en automatique. Maintenant, la deuxième façon, ça va être de créer une boutique en ligne. Effectivement, aujourd'hui, il est possible à tout le monde de démarrer rapidement en créant une boutique en ligne et en vendant des choses. Par exemple, si on prend l'exemple que j'ai mis là-haut, Shopify va vous permettre d'ouvrir une boutique qui va être totalement personnalisée. Et de là, vous allez, par exemple, pouvoir vendre les articles que vous souhaitez. Alors, qu'on s'entende bien, il y a deux façons de faire, je dirais deux grandes façons de faire. Soit vous allez effectivement avoir du stock à disposition, et en fait vous enverrez comme ça. Évidemment, avoir du stock, ça peut demander d'avoir des finances derrière, puisqu'il va falloir que vous stockiez et que vous commandiez des grosses quantités. Ensuite, ce que vous pouvez faire, sinon, si vous démarrez de zéro et que vous n'avez pas forcément de gros moyens, eh bien, vous pouvez créer une boutique avec Shopify, mais en dropshipping. En fait, simplement, le business model, ça s'appelle le dropshipping. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir stock, vous allez passer par des intermédiaires, par exemple par AliExpress, qui est une plateforme connue. Et en fait, à chaque fois que vous aurez une commande, eh bien, des personnes vont vous acheter, vous aurez une commande, et ensuite, eh bien, vous transférez la commande sur, par exemple, AliExpress, si vous utilisez AliExpress, et AliExpress enverra directement aux personnes leur commande. Voilà.
là aussi, eh bien, approfondissez si ça vous dit. Mais en tout cas, c'est un moyen très intéressant aussi de se faire des revenus automatiquement. Alors après, évidemment, je tiens à le préciser, il y a une petite différence, par exemple, avec certains types de produits. Quand vous vendez des produits physiques, il faut savoir que vous allez avoir une histoire de marge par rapport au coût des produits en premier. Parce qu'évidemment, par exemple, je sais pas, moi, si vous vendez un ballon de foot, eh bien, il va falloir déduire de vos gains le tarif du ballon de foot à l'achat. D'accord? Vous voyez, donc, voilà, ça, c'est la petite précision. Mais sinon, c'est intéressant aussi. Moi, je l'ai fait, notamment en dropshipping, et effectivement, j'ai gagné des sommes très intéressantes. Autre solution aussi, qui est très tendance, qui fonctionne vraiment, et bien que vous pouvez par exemple mettre en place avec Redbubble ou d'autres plateformes, ça va être en fait de faire du print of demand. Print of demand, c'est une forme de e-commerce, si vous voulez. Vous allez avoir une boutique déjà sur Redbubble par exemple, et vous allez vendre des articles. Par exemple, ça peut être des t-shirts où vous allez écrire des choses dessus, où vous allez faire des dessins. Bref, si vous savez faire des dessins, vous savez écrire des choses, enfin des textes qui peuvent être pertinents. Vous voyez, des fois, il y a des personnes, vous voyez, ils ont des t-shirts et il y a une phrase. Et ben ça, c'est très tendance. Et vous allez pouvoir faire ça. Évidemment, il faudra approfondir aussi là-dessus, mais il y a des techniques, vous pouvez faire ça simplement, vous n'avez pas besoin d'être graphiste. Donc, essayez si ce côté-là vous intéresse, essayez de voir ça. Alors, par contre aussi, ce qu'il y a, c'est que les marges vont être beaucoup plus faibles en termes de gains, parce qu'effectivement, bah, là aussi, souvent, il y a un certain coût par rapport à la plateforme que vous allez utiliser. Et puis, par exemple, il y aura le t-shirt, si c'est un mug, bah, il va falloir déduire le coût du mug, etc., etc. Mais voilà pour la deuxième façon qui est aussi très intéressante. Alors, la troisième façon, eh bien, ça va être de promouvoir les produits des autres. Alors ça, c'est vraiment excellent quand vous démarrez de zéro. Si vous n'avez pas de compétences particulières, c'est vraiment un moyen très, très efficace. En fait, en gros, promouvoir les produits des autres, ça va être de l'affiliation. Si vous regardez sur Amazon, eh bien, c'est un site qui vend beaucoup de choses. Eh bien, vous pouvez faire de l'affiliation via le club partenaire d'Amazon. Et vous allez vous inscrire, et en fait, vous, bah, après, sur Internet, vous allez copier-coller votre lien. Vous allez avoir des liens spécifiques qui vont être propres à vous pour promouvoir les produits, et ensuite, bah, vous allez les mettre sur Internet de manière à ce que quand il y a des personnes qui cliquent dessus et qu'elles achètent, eh bien, vous allez toucher des commissions là-dessus. Donc, eh bien, par exemple, si vous créez un blog, celui-ci, dans le temps, se référence, et qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez toujours du trafic qui va venir automatiquement, et quand il y aura des gens qui cliqueront dessus, eh bien, vous recevrez des commissions en automatique. Alors, moi, si je peux vous recommander quelque chose en affiliation, ce que je trouve de vraiment intéressant, c'est plutôt de faire la promotion de produits qui vont être numériques. Par exemple, via la plateforme Clickbank ou System.io, eh bien, vous pouvez trouver des produits à promouvoir, vous pouvez faire de l'affiliation, et là, les gains vont être beaucoup plus importants puisque ce sont des produits numériques et non physiques. D'ailleurs, si vous, cet aspect-là vous intéresse, eh bien, sachez que j'ai créé une formation qui est totalement offerte, d'accord? Vous regardez sous cette vidéo et vous allez pouvoir donc démarrer l'affiliation. Je vous montre plusieurs stratégies à mettre en place qui vont pouvoir vous rapporter rapidement. Je vous laisse voir ça si ça vous intéresse. Donc voilà pour la troisième façon, très très intéressante à exploiter. Vraiment, si vous n'avez aucune compétence ou quoi au caisse, je vous recommande vraiment eh bien, d'essayer de voir pour cette manière-là de gagner de l'argent en automatique. Alors, la quatrième façon, eh bien, ça va être de vendre des cours en ligne. Effectivement, les cours en ligne, c'est très rentable aussi puisque ce sont des produits dématérialisés, c'est numérique, donc vous n'allez pas avoir aussi de stock à faire ou de choses comme ça, et donc les marges vont être beaucoup plus importantes. Vous avez plusieurs façons de faire. Là aussi, par exemple, il faut eh bien, choisir un domaine que vous affectionnez. Vous regardez s'il y a un marché viable où vous pouvez qui fait que vous pouvez vendre justement les cours en ligne que vous voulez. Parce que sachez que les cours en ligne, ça, c'est en train vraiment de prendre de l'ampleur puisque le monde se digitalise totalement et de plus en plus, les gens se forment par eux-mêmes. Alors évidemment, ici, il ne s'agit pas de faire des choses arnaques ou quoi que ce soit, bien évidemment. Il faut faire ça éthiquement. Donc, si vraiment vous avez à cœur d'aider les autres, eh bien, je dirais que vendre des cours en ligne, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Donc, vous pouvez procéder de plusieurs façons. Soit vous allez vendre via des plateformes comme par exemple Udemy. Udemy, en fait, ça veut dire qu'ils vont, vous allez pouvoir héberger très rapidement vos cours en ligne. Vous n'allez pas avoir besoin de créer un site, etc., etc. Par contre,
les gains évidemment vont être beaucoup plus faibles. A contrario, si vous utilisez par exemple des plateformes comme System.io, Learnybox, il y a aussi ClickFunnels, etc., etc., vous pouvez créer vraiment vos cours totalement personnalisés, vous pouvez créer vos pages totalement personnalisées et là, les gains vont être beaucoup plus importants. Donc voilà pour la quatrième façon. Donc vraiment, si vous avez une compétence en particulier, que vous avez un domaine avec lequel vous avez de l'affinité, eh bien essayez de voir si vous ne pouvez pas justement vendre des cours en ligne. Ce sera vraiment quelque chose qui vous rapportera des revenus en automatique très intéressants. Alors la cinquième et dernière façon que je vous ai dénichée, eh bien ça va être de vendre des PDF, soit des documents. Effectivement, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, si vous allez sur Amazon, eh bien quel type de documents vous allez avoir? Vous allez avoir par exemple des e-books. Des e-books sont des livres au format numérique. D'accord? Donc ça va être par exemple sous format PDF. Bon, généralement pas sur Amazon, ça va être d'autres formats, ça va être Kindle ou des choses comme ça. Bref, mais en tout cas, ça fait partie, je veux dire, de la même catégorie. Quand je dis vendre des PDF, c'est tout ce qui englobe donc les documents dématérialisés, donc numériques, les e-books numériques, etc., etc. Si vous inscrivez sur des plateformes comme Fiverr ou 5€, eh bien là, vous pouvez vendre directement vraiment des PDF. Vous créez, vous trouvez un sujet, vous créez un PDF et ensuite, eh bien, ce que vous faites, vous n'avez plus qu'à mettre à vendre ça sur ces plateformes-là et vous allez eh bien, vraiment avoir des revenus qui vont tomber en automatique. Moi, c'est mon cas. J'ai déjà généré, j'ai atteint 10 000 €, si vous voulez, de vente sur, par exemple, sur 5€ en vendant tout simplement des PDF. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de possible et de très, très intéressant à exploiter parce qu'une fois que vous avez créé ces PDF, ils vont se vendre en illimité. Si vous voulez, vous n'avez pas besoin à chaque fois de recommencer. Vous voyez? Donc aujourd'hui, toutes les façons que je vous ai proposées pour gagner de l'argent automatiquement, eh bien, vraiment sont viables. Je vous recommande en tout cas d'en choisir l'une d'entre elles et de les mettre en place. Parce que c'est bien de vouloir gagner de l'argent sur Internet, c'est bien de suivre des vidéos qui vous montrent comment gagner un peu d'argent par-ci par-là. Mais ce qui est bien en parallèle, c'est de vraiment créer votre petit business en ligne. Aujourd'hui, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut démarrer avec très très peu, d'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros, non, pas du tout, loin de là. Notamment par exemple, si vous démarrez, comme je vous ai dit, avec l'affiliation, vous pouvez démarrer vraiment de zéro, totalement de zéro, comme plein d'autres façons là que je vous ai présentées. Parce que ça va vraiment vous permettre à terme de transformer votre vie. Si vous voulez, vous allez pouvoir vraiment changer le cours de votre vie, peut-être même quitter votre job parce que vous aurez assez de revenus. Et vous ne serez pas obligé en fait d'échanger tout le temps votre temps contre de l'argent, comme c'est le cas probablement aujourd'hui quand vous avez un travail, que vous devez aller au travail par exemple, je ne sais pas moi, de 8h à 16h tous les jours du lundi au vendredi, eh bien vous êtes obligé d'y aller pour gagner de l'argent. Parce que si un jour vous n'y allez pas, eh bien pendant un jour déjà vous perdez de l'argent, vous voyez ? Alors qu'avec ce que je vous ai présenté là aujourd'hui, eh bien, vous avez la possibilité justement de faire en sorte que, eh bien, s'il y a des jours où vous n'aurez pas envie de travailler sur votre business ou quoi, eh bien, des gains continueront de rentrer quand même. Ok ? Voilà, bah écoutez, cette petite vidéo était donc vraiment pour vous initier, vous montrer les façons qu'il y a de faire des gains comme j'ai pu vous montrer tout au début de cette vidéo. Donc, allez-y, passez à l'action, vraiment, faites-le dès maintenant parce que vous allez voir, bah, plus les semaines et les mois vont passer, eh bien, plus vous serez content parce que vous commencerez à avoir des résultats. Alors que si vous dites, ouais, c'est sympa, mais vous ne passez pas l'action, vous ne faites rien derrière, eh bien, dans un an, peut-être vous allez regretter, vous allez vous dire, tiens, j'aurais dû le faire parce que là, aujourd'hui, bah, je serais déjà en train de générer des revenus en automatique. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne puisque je partage beaucoup de contenu vidéo qui vous donne des manières de gagner de l'argent sur Internet. Donc, n'oubliez pas surtout d'activer cette petite cloche pour être prévenu dès qu'il y aura des nouvelles vidéos qui vont sortir comme celle-ci. Et puis, quant à moi, eh bien, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Ciao, ciao.